God, did you? Keep the heads ringing. Bon, même si en tant que frangin, c'est quand même un honneur. J'aurais jamais cru qu'un jour on serait là, on s'installerait chez toi, dans ta crêperie, qu'on se ferait une petite interview, en train de boire du thé, comme si on était des Anglais. Tu vois. Mais ceci étant dit, je voudrais un petit peu savoir maintenant, bon, ça fait quand même quelques années que tu es dans la Grande Ligue. Je me rappelle encore à l'époque, on en parlait, on était encore là en Belgique, on était là dans la petite salle à Jumet. Julie. Et, hein, à Julie, et tu étais là, on était à coup de 3 à 4 entraînements par jour. Ouais. Donc bon, tu sais, c'est vrai que souvent on parle un petit peu de ton parcours, mais moi je voulais un petit peu maintenant avoir ton opinion à toi, ta vision de la chose, ta vision un petit peu sur ce que tu as accompli jusque-là et la direction dans laquelle la direction dans laquelle toi tu voudrais aller un petit peu plus loin. Donc on va commencer, bon, on est ici à Dallas. C'est là réellement que ça a commencé pour toi. Voilà. Explique-nous un petit peu là. Tu peux un petit peu nous amener là-dedans? Écoute, d'abord je te remercie, je suis content de te voir encore une fois. Toujours un plaisir. C'est toujours plaisir à te voir. Dallas, c'est vraiment ma ville. Je me sens à l'aise quand je viens ici. Comme tu as dit, il y a la truc qui est là. Mais c'est aussi mes débuts. C'était ici. Si je dois rappeler vraiment le parcours, je dirais que avant c'était un rêve, mais ça ne peut pas rester juste un rêve. Donc il faut un travail derrière. Ouais. Et ce travail-là m'a amené jusqu'à Dallas. Et à Dallas jusqu'aux Lakers. Cette ville ici reste quand même quelque chose de spécial pour moi parce que bon, c'est mes débuts. Et d'ailleurs, j'ai l'intention de vivre aussi après ma carrière. Okay. Alors, j'ai l'intention de vivre ici parce qu'à cause, pas seulement de la ville, mais aussi d'autres choses que je fais ici dans la ville. Donc j'ai vraiment l'intention de vivre ici. Mais comme je le dis, tu sais comment ça a commencé, tu sais comment on en parlait, à Jumet, à Gilly, tous les bons moments, le mauvais moment qu'on a eu. Merci. Mais le plus important, c'est d'arriver dans l'endroit. Ouais. C'est d'arriver là. Et on est là et je suis là. J'essaie de représenter le plus possible que je peux, mais il y a toujours des difficultés parce qu'il faut bien comprendre, quand je suis arrivé dans la Ligue, je suis tombé dans une grande équipe. Ouais. Et c'est mieux quand tu arrives quelque part où l'équipe n'a pas, c'est pas que l'équipe n'a pas d'ambition, ils ont de l'ambition, mais tu as plus de temps de jeu, ils mettent vraiment le moyen pour toi pour que tu puisses te développer. Uh-huh. Mais moi, quand je suis arrivé, Dallas, ils formaient une équipe pour aller gagner la finale. Donc, je ne faisais que partie du 12 qui était déjà fait. Ouais, bien sûr. Donc c'était difficile pour moi de sortir là-dedans. En fait, en plus, le coach que j'avais à l'époque, c'était un bon coach qui voulait me lancer. Malheureusement, il est parti avant. Il y avait Evry, le jeune coach qui est arrivé, qui voulait prouver, qui avait peur de jeunes, qui voulait travailler avec des vétérans. Donc le coach qui t'a lancé, c'est bien Don Nelson. Nelson. D'ailleurs, pour laquelle, quand j'ai quitté Dallas, il m'a rappelé à Golden State. Donc, voilà, et quand Evry est arrivé, Evry, il était plus. Il voulait plus jouer avec tes vétérans. Parce que, bon, tu sais, comme rookie coach, tu as besoin d'assurance. Hein. C'est clair. Donc, voilà, je comprenais. Et vu que moi j'essayais de m'en sortir, j'essayais de me retrouver au niveau de la Ligue, parce que c'était mes deux premières années, et ça ne marchait pas avec lui. En plus j'avais des problèmes de communication, parce qu'avec mon anglais, tout ça, c'était vraiment difficile. Parce qu'il faut comprendre que les jeunes qui viennent ici, qui sortent d'ici, qui viennent du collège, c'est déjà facile parce que toi tu as été au collège. Ouais. Donc vous êtes déjà éduqué là, par rapport à la Ligue. Donc dès que vous arrivez dans la Ligue, tu n'as plus rien à faire, c'est juste adapté à la Ligue. Ouais, c'est tout. Simple, exactement. Et nous qui venons de l'Europe, donc il y a plusieurs démarches à faire. Il y a plusieurs démarches à faire. Et il faut que l'équipe s'implique. Mon cas a été différent. Je suis arrivé déjà à l'équipe, il y avait plein d'étrangers.
Donc c'était vraiment différent. Et c'était une équipe championne à l'époque. Ouais. Et la preuve, on est déjà la deuxième année, on était en finale. Ouais. Deuxième année, on était en finale. Et moi, ça a été vraiment difficile. C'est deux premières années qui ont été difficiles pour moi. Mais après cela, tout est parti tranquillement. Tu as souligné plusieurs fois d'attaquer cette année, on est allé créer des fautes, alors que là on voit Didier Mbenga. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on était content de faire ce match entre les Lakers et Detroit. On sait que Didier Mbenga a quand même crevé l'écran, hein. Deux rencontres avec un double-double, c'était la semaine dernière face à New Orleans. Et le match précédent où il était dans le starting five en l'absence de Bynum et de Gasol, bien sûr, Didier avait déjà pris 13 rebonds. Ensuite, il a signé un match à 10 points et à 12 rebonds. Et il a du temps de jeu parce qu'il a gagné beaucoup de crédit. C'est vrai qu'aussi, que personne ne peint. Des fois, rien qu'à pépin. J'ai les neurones pleins. 140 000 pèses. C'est que l'équipe a eu des problèmes au rebond. Les deux matchs où Didier Mbenga a joué, il a pris 25 rebonds. Didier Mbenga. Conforme, pratiquement. Didier Mbenga. Et bonne passe de Farmer. Ah oui, évidemment, on est content. Hey, ça met en confiance, ça. Comment ça met en confiance, hein? Un excellent service de Farmer. Les deux points pour Didier Mbenga, notre ambassadeur en NBA. Et donc, le plus dur, un petit peu, je veux dire, dans cette adaptation-là, c'est que... Ce que je crois qu'énormément de gens ont toujours tendance à oublier un petit peu quand on parle de Didier Mbenga, le basketteur, c'est qu'à tous les niveaux où tu as été, tu as toujours gagné, ouais. Tu as toujours participé, je veux dire, dans des finales. Ouais. Donc ça, c'est, à la fin de la journée, c'est plus le fruit du hasard. Et toi, comment un petit peu, comment est-ce que toi tu as ressenti ta première finale? Tu étais là, si je ne m'abuse, ta première finale c'était quoi? C'était Miami. Comment est-ce que tu as ressenti un petit peu, sachant qu'il y a eu cet incident, ouais, où tu n'as pas pu jouer donc ces finales, tu n'as pas pu prendre part à ces finales. Donc un petit peu vu de l'intérieur, parce que bon, on lit les journaux, ouais, on lit un petit peu les opinions de chacun, ouais, mais toi, DJ, comment t'as senti ça? Les finales NBA, Miami, vous menez 2-0 et tu te retrouves dans la situation où tu ne peux pas aider ton groupe, tu ne peux pas aider tes gars. T'as senti ça comment? Bah écoute, c'était difficile pour moi. C'était vraiment difficile parce que j'ai arrivé à un certain niveau. J'ai arrivé à un niveau où c'est le rêve de tout le monde, de tout le joueur. Mais moi, je peux pas participer. Mm-hmm. Donc c'était vraiment difficile pour moi parce que bon, on a travaillé toute la saison. Tout le monde a contribué d'une manière ou d'une autre. Et on arrive en finale, l'incident qui s'est passé, tu sais très bien, je peux commencer. Donc voilà, avec l'histoire de la femme du coach. Et j'ai été suspendu pour moi 5 games. Ouais. Mais c'était difficile parce que je devais voir des games, je devais voir des matchs chez moi à la maison ou à l'hôtel si on est en déplacement. D'abord l'équipe, nous on pensait que c'était fait, c'était l'erreur. Ouais. C'était l'erreur parce que lorsqu'ils sont arrivés ici, on les a battus facilement. Bon, on s'est dit, bah ouais, quand on ira là-bas, on ira finir là-bas, ça va être facile. Bon, mais c'est la NBA, rien n'est facile. Toutes les équipes sont bonnes. Toutes les équipes sont capables de faire n'importe quoi. Et surtout s'ils sont motivés. Et ce cas-là, ils étaient motivés parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Déjà, ils étaient menés 2-0, donc ils n'avaient plus rien à perdre. Et ce qui était bien aussi, il y avait trop de vétérans dans cette équipe-là qui savent le jeu, qui savent comment contrôler le tempo du game, qui savent comment contrôler la série parce qu'ils ont déjà été là. Et c'est ça, c'est ce qui était bon pour eux. C'est que nous, on avait du talent, mais si tu veux, il y avait un tel sursaut d'orgueil que on pensait que c'était fini. En commençant par le patron du club. Ouais. Jusqu'au dernier qui nettoie, ouais, le terrain.
tout le monde pensait que c'était fini. Donc on gagnait. Et moi, je me souviens toujours, premier game ici, il y a Eric Dampierre, 2 minutes après, il avait 2 fautes. Et Job qui entre, 3 minutes après, il avait 2 fautes. Ah, t'as dû ranger ton frein là. Et j'étais chez moi et j'entendais le commentaire du journaliste qui disait, là on a besoin d'un Benga maintenant. Et moi j'en pouvais plus, j'ai tremblé là où j'étais. Il y a mon frère qui me dit, calme-toi. Moi je dis, non, je peux pas voir ça. Je sors de la maison, je vais à l'extérieur, je regarde et il y a des personnes qui passent. Mais il y avait du monde à côté de ma maison, qui était juste devant ma maison, qui ne regardait même pas la finale. Qui était juste devant ma maison avec des parkas de Mbenga Fui. Et je vois ces personnes-là qui étaient devant ma maison, je dis, merde. Je retourne encore à l'intérieur et je regarde. Pendant qu'ils jouaient, il y avait sur le stand là, tu vois, des fans qui avaient des pancartes, Benga Fui. Et je vois le patron Marc Cuban qui portait un t-shirt Benga Fui. Et là, j'étais mort. Là, je ne pouvais plus. Et chaque matin, pendant ce final, chaque matin, il y avait le coach qui ne faisait que m'envoyer des fleurs et des fruits. Maintenant, quel est l'état d'esprit de Benga quand vous venez juste de vous qualifier pour les finales? Parce que là, maintenant, tu sais que tu vas être éligible, ouais. Tu vas pouvoir rentrer, tu vas pouvoir prendre part à l'action. Ouais. Est-ce que maintenant, on parle toujours de cette expérience? Moi, je me rappelle encore de toi quand tu jouais, que tu étais champion en 2e division en Belgique. Moi, je me rappelle encore quand tu étais champion avec des juniors, avec des cadets. Je me rappelle encore que tu étais champion avec Charleroi. Ok, on va jamais comparer une Lamborghini avec une Peugeot 205. On n'est pas là pour ça. Je comprends. Et le fait de marquer pas mal de points d'ailleurs. Ah voilà une connexion qui est belle. Et qui est là en dessous. Qui est là en dessous. C'était DJ Mbenga. Et bien voilà. Quelle entrée en matière pour notre ambassadeur en NBA. J'écris ce que personne ne peint. Des fois rien qu'à pépin. J'ai les neurones pleins. 140 euros le plein. Enfin, j'ai envie de dire à Didier, c'est pas de sa faute, mais je dis, il n'y a personne, il n'y a pas encore eu une seule faute du côté des Lay. Et maintenant, mais on ne peut pas reprocher à Didier. Easy business, trollant par le Guinness. Tu veux test, petit ski, wesh. Tu cherches la top US. T'entends des feats US, tu veux faire grave les sorts. Mais Josh Paul qui est aussi au jeu pour les Lakers. Didier qui va se placer. Kobe qui donne le ballon. Ce ballon qui tourne. Josh Paul maintenant. On vient le rechercher en post-up. Il va se placer en post-up surtout. Hein. Allez, là-bas. Jim Bengar, Jim Bengar, Jim Bengar, Jim Bengar, Jim Bengar. Dans mes potes, mais sous ma casquette. Ne compte pas mes rêves. Fusil à pompe à mes yeux. Interrompt pas mes rêves. Ça va payer. Ça va payer pour mes amis. Disque de platine. Transporte la cam par Olé Odu. D'accord, si je dois revenir un peu en arrière, juste un peu en arrière, je pourrais bien expliquer quelque chose. Quand j'ai quitté Dallas, je suis à la Golden State. J'étais encore blessé au genou, donc je revenais de ma blessure. Ouais. Et arrivé à Golden State, le coach derrière, je voulais prendre un temps mort, juste pour me rééduquer vraiment, être en forme. Il y a le coach qui m'a appelé Nelly, qui me fait, écoute, tu ne peux pas rester comme ça, viens. Il avait déjà calculé son truc. Ouais. Il me dit, viens juste t'entraîner ici. Ouais. Et moi, j'arrive là-bas, premier entraînement, il me change, après il me dit, bah, tu sais que tu joues demain. Moi, je dis, mais attends, comment ça je joue demain? Il me dit, non, tu joues demain. Je peux pas, il me dit, moi, tu joues demain. Mais c'est que la meilleure chose qui m'est arrivée à ce moment-là, c'est que ce coach a fait sortir encore quelque chose qui était en moi, que je n'osais pas utiliser quand j'étais à Dallas. Parce qu'à Dallas, j'étais plus utilisé défensivement, comme d'autres joueurs qui étaient là avec moi étaient ce genre de joueurs-là.
ils ont voulu que je sois aussi la même chose, que je fasse la même chose que eux. Parce que tu sais bien, nous, on vient de l'Europe, notre jeu, c'est un peu différent. Quand tu arrives ici, un big man, on t'est mis sur une catégorie. Ouais. T'es classé, tu dois acheter seulement une spécification, où tu prends des bons, où tu fais des comptes, ou des comme ça. Et là, Nelly m'a complètement donné le freedom. Donc, il m'a dit, comme nous, dans la ligue, on appelle ça American Express. American Express. Il m'a donné le freedom, il m'a dit, you do what you want. Ok, ça c'est le crédit illimité. Ouais. Crédit illimité, il dit, you do what you want. Et après, il m'a dit, c'est un peu comme j'avais fait avec Dirk. Ouais. Avec No Whiskey. Ouais. Alors, à cette époque-là, j'ai commencé à jouer tranquillement. Mais j'ai fait appel au coach de No Whiskey, Hogger. Il est venu travailler avec moi là-bas, mon shot. Et on a travaillé un peu. Et quand on travaillait, parce que Nelly, il avait ses idées à propos de moi. Moi, je ne savais pas qu'il avait, il avait déjà tout prévu. Et plus je jouais là-bas, plus je me relâchais. Et comme j'avais pas encore confiance avec mon genou, donc j'essayais de retrouver vraiment cette confiance-là. Ouais. Je travaillais dur. Ouais. Mais ça s'est passé quand j'ai repris la confiance, j'ai quitté Golden State. Ouais. Donc je suis arrivé chez les Lakers. Ouais, bien sûr. Et quand je suis arrivé aux Lakers, c'était le bon moment. Parce qu'il y a Ibanum qui s'est blessé, il y a Turiaf qui était là, mais qui n'est pas vraiment un 5. Ouais. Et moi, j'arrive là, j'arrive avec tout le bagage que j'ai eu depuis Stevenius. Depuis Van Kersh, Bastianini, Castells, Giovanni, tout ce monde-là, tout ce bagage-là, Spirou, la colère que j'avais là. Ouais. Donc tout ce bagage-là, je suis arrivé avec, et c'est là où Phil Jackson était étonné. Il me dit, mais comment, depuis tous ces temps à Dallas, ils n'ont pas osé, ils ne savent pas comment t'utiliser, Et moi, je dis, parce que je suis arrivé, il m'a vu shooter, il m'a vu avec des post-moves, il m'a vu faire pas juste deux post-moves, multiple post-moves. Je faisais des trucs, mais ça a l'air complètement dépassé. Et là, du coup, il m'a lancé. J'ai commencé directement à jouer parce que je suis arrivé, j'ai signé avec les Lakers, c'est deux jours après que je jouais. Ouais. Donc, j'ai commencé à jouer. Je suis arrivé, j'ai trouvé Kwame Brown qui était là. C'est l'époque de Kwame. Ouais, Kwame qui pesait, je sais pas, 9 millions, quelque chose comme ça. Qui joue 30 minutes, qui avait deux rebonds. Et... Ah, il pesait pas lourd dans la balle. Et 6 points. Et moi, on me fait rentrer pour 12 minutes. Je fais 8-8 et ça lui dépassait complètement. Et là, j'ai commencé à jouer. Mais ils avaient d'autres choses en tête. Ils préparaient un trade de Kwame pour Gasol. Ouais. Et pour Gasol, c'est quand même un grand morceau. Donc, Gasol, lorsqu'il débarque, il devait s'adapter avec Kobe. Alors, ce qui veut dire qu'il devait prendre tout le temps de jeu pour s'adapter, vraiment pour créer cette cohésion avec Kobe. Ouais. Et ça, moi, j'avais pas le choix, je devais subir ça. J'avais pas le choix. Et du coup, c'est comme ça. Mais on croyait pas qu'on allait arriver en finale. C'était juste comme ça, on est arrivé en finale. Ouais. C'est pour ça qu'on a perdu ça. Parce que, tu sais, la finale, hein, c'est quelque chose, il faut aller chercher ça. Ouais. C'est pas facile, c'est pas juste t'es là, ouais, je suis en finale, je vais gagner, tout ça. Non, pour aller gagner un titre NBA, il faut chercher ça. DJ Moscow, balance mon prix, pop, c'est dangereux. I still get enormous pleasure from watching great athletes on the court, and nobody exemplifies excellence in basketball better than the Los Angeles Lakers last year. I was hoping that, Coach, you were going to bring some books for Republicans and Democrats in Congress, maybe to get them to start playing like a team together. Coach is famous for passing out books and helping people get the job done. If this season's anything like the last one, I know that you guys had your sight on the NBA Finals, so we might see you here before long. But we are very grateful for your presence here today. Give them a big round of applause. Thank you.
Congratulations. Thank God it's Friday. Keep the heads ringing. So get up, get a move on, and get your groove on. It's the D.R.E., the spectacular. In a party, I go for your neck, so call me Blackula. As I drain a nigga's juggle of rain and maintain the lead bloodstain, so don't... Il y a aussi eu bon, la vidéo Infamous qui est arrivée sur YouTube où il y a toi et Chris Mim. Ouais. Vous êtes là un petit peu pour vous chauffer. Ouais. Bon, ce que beaucoup de gens maintenant aussi ne réalisent pas, c'est un petit peu la pression qu'il y a autour d'une équipe comme les Lakers. Ouais. Et comment est-ce que toi tu gères un petit peu cette saison régulière où tu commences à avoir du temps de jeu? Chaque minute que tu joues, tu gagnes une minute supplémentaire parce que tu joues bien et puis du jour au lendemain, wow, on te retire une fois de plus. Ce qui semble que c'est un petit peu toujours l'histoire un petit peu de DJ Mbenga. Il joue bien et puis une fois de plus, wow, on retire la prise et on te remet sur le banc, on te met de côté. Comment est-ce que toi tu gères ça? Bah écoute, d'abord, comme je le dis, c'est comme mon début. Je sais pas si je dois dire ça, c'est mauvais pour moi, mais je tombe toujours dans de grandes équipes. Et des grandes équipes ont besoin de bons joueurs. Donc si tu fais partie d'une grande équipe, et l'équipe qui court vers le titre, donc ils ont besoin de 12 joueurs, ces 12 joueurs-là doivent être 12 bons joueurs. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Donc s'il y a un bonhomme qui tombe, ils ont besoin d'un Benga qui soit là pour faire le même job que Banam. Ils ne vont pas aller chercher un XY qui ne va pas faire ce job-là. Et ce que les gens oublient, c'est que les gens ne comprennent pas non plus. Si tu demandes à Phil ou à Mitch, c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle ils n'ont jamais voulu me laisser partir. Parce que le travail que moi j'ai fait à l'entraînement, ce gars-là, je m'entraîne avec eux tous les jours. Banam et Paul. Quand moi je suis arrivé, quand Paul Gasol est arrivé, c'était un joueur qui était différent. Mais plus en jouant contre moi, parce que c'était physique, le gars, il a changé son game. Plus il progresse, moi je progresse aussi, Andrew progresse. Mais le problème, je ne dirais pas, c'est la politique, il y a la politique partout. Mais là, ça nous amène maintenant dans des contrats. Parce que tu ne peux pas payer une personne 70 millions de dollars pour le mettre sur le banc. Ça n'a pas de sens. Tu dois justifier, même s'il met 2 points en 30 minutes, mais tu dois justifier, tu dois le mettre sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe. Je suis désolé, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, aujourd'hui, je suis un peu victime de ça quelque part. Parce que moi, je ne veux pas dire des trucs. Si tu veux, va poser des questions à Phil Jackson ou va chercher des interviews. Tu vas entendre ce que lui-même il dit. Que moi, à l'entraînement, le gars, ils n'ont rien à faire sur moi. Et même quand je monte sur le terrain, dans des matchs, je montre ça. Mais le problème, c'est que c'est comme ça. Tu ne payes pas quelqu'un 70 millions pour rester sur le banc. C'est ça la vérité. On aime, ok. C'est ça la vérité. Et là, Nelly m'a complètement donné le fil. Donc il m'a dit, comme nous, dans la ligue, on appelle ça American Express. American Express. Il m'a donné le fil, donc il m'a dit, you do what you want. Beaucoup d'entre vous qui ne savent pas c'est qui le numéro 28 des Lakers, nous parlons de notre ami Benga. Ah, la NBA, je veux dire, c'est que on te donne le temps de grandir. Oh, pas précédent. Donc ce qui me pousse aujourd'hui à prendre nos décisions, déjà on a demandé le trade pour aller. J'ai eu 10 équipes en une semaine qu'ils ont voulu que j'aille. Donc toi là maintenant, comme t'es, l'aventure hollywoodienne, t'es prêt à quitter ça? Écoute, l'aventure hollywoodienne c'est bien, c'est super, je peux pas mentir, c'est le rêve de tout le monde. Mais il faut comprendre, il y a chaque chose en son temps, il faut savoir faire la part de choses. Tu veux rester dans ce milieu-là,
et tuer le basketball où tu veux. Continuer avec le basket, avec ta carrière comme il faut, et laisser tomber ça. C'est la décision qu'il faut prendre. Parce que moi, aujourd'hui, c'est que les gens doivent comprendre. J'ai fait des liens, j'ai tissé des liens aujourd'hui avec ce monde-là de Hollywood. Que aujourd'hui, si je pars, je ne regrette rien. Parce que ce lien-là reste. À tout moment, je peux revenir là. À tout moment, je peux appeler, avoir un coup de fil. Ça va se faire, ce que j'ai envie de faire. Avec mes ambitions, le cinéma, tout le truc. On va en parler. Donc, j'ai su profiter de ce moment-là que je suis passé, que je suis là. Même jusqu'au moment. Mais je vois tous les ans, justement, tu montes en puissance. Et je vois que tous les ans, si maintenant, tu as vraiment un respect de tes pères. Ça, j'ai vraiment adoré l'année dernière, quand je me suis retrouvé avec Andy Garcia. Et Andy Garcia me parlait de toi comme si... comme un vrai fan en fait. Je suis là, je me retrouve avec Jack Nicholson qui me parle de Benga comme si Benga c'est de Missing Link. Et comment est-ce que toi maintenant tu sens un petit peu, tu gères tout ça, où tu vois qu'au plus haut niveau de l'industrie, je veux dire du sport, du cinéma, tu es respecté. Et en Belgique, tu n'es même pas réellement cité dans le top 3, tu n'es même pas le joueur ou l'athlète de l'année. Tu n'as même pas ce respect en Belgique que tu as ici sur le plus grand marché. Comment est-ce que toi tu gères un petit peu ça? Ben écoute, le problème de la Belgique, ça reste la Belgique. Tu le sais, tout le monde le sait. Donc, je veux pas commencer à le dire, mais c'est difficile et c'est malheureux. C'est malheureux parce que si nous autres, on est produits de la Belgique, ouais. On est... si tu veux respecter dans d'autres pays, honorer dans d'autres pays, alors que d'où on vient, vraiment, c'est pas ça. On ne demande pas plus, je ne demande rien du tout. Mais tu sais, quand je suis dans le vestiaire où on discute avec d'autres gars, tu viens d'où? Moi, je fais la Belgique. Les gens ne savent même pas ce que... Ils savent pas c'est où. Certains s'imaginent que c'est au-dessus de Chicago et d'autres disent que c'est à côté de Paris. Il y en a l'autre qui m'a dit c'est où, c'est à côté du Mexique et tout ça. Et j'ai même plus voulu l'expliquer, je suis parti. Mais tu sais quand on joue au final, il y a tous les drapeaux qui sont représentés. Ouais. Quand ça veut dire tous les joueurs qui sont sur le terrain. Il y a des drapeaux qui sont représentés. Et tu sais, le drapeau de la Belgique flottait. Mais c'est ça. Je ne pense pas. C'est pas le drapeau du Congo. C'est ça. C'est le drapeau de la Belgique qui flottait là. Et tu sais, écoute, parce que bon, on est tous les deux belgo-congolais. Ouais. Les choses sont comme elles sont. Donc c'est pas comme si maintenant, si on pousse nos racines, on est là. Je veux dire, le Congo, il est toujours. Le Congo, il est là. Il est là. Ouais. Mais je veux dire, tu sais, moi, c'est réellement cette fierté. Je veux dire, j'ai eu l'opportunité d'être là, dans le Staples Center. Et j'ai vu ce drapeau belge au Staples Center quand c'était pas Kim ou c'était pas Justine qui jouait le tournoi de Los Angeles. Et je me dis honnêtement, c'est... déjà moi je te dis merci parce que tu as amené la Belgique dans le panthéon basket où malheureusement aucun d'entre nous a réussi à arriver jusque là. Mais quel est un petit peu, parce que bon, je crois que les gens ont toujours tendance à oublier que tu es quelqu'un de très responsable. Et quel est un petit peu le sentiment que tu as quand tu reviens et tu dois jouer pour l'équipe nationale? Ben, tu sais, j'ai toujours dit l'équipe nationale, pour moi, c'est la reconnaissance, c'est tout. Hein. Mm-hmm. Je ne cherche rien à gagner, j'ai rien à gagner là-bas. Par contre, je peux perdre si je me blesse. C'est vrai, tu as beaucoup plus à perdre qu'à gagner, ça c'est ben sûr. Ouais. Et on ne va pas anticiper là-dessus. Donc, je viens, la reconnaissance. Hein? Je viens, le respect envers Jacques Le Dur, envers le coach Eddy, envers même la fédération. Pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, en retour. Star quand même, avec un joueur hors norme, il a un physique hors norme, il a une carrière exceptionnelle, il a une vie qui l'a tout autant, et il a été tout de suite admis par ses partenaires, vous allez entendre, ils sont très heureux de jouer avec Didier Mbenga. Tout le monde est content pour lui, parce que tout le monde sait d'où il vient, donc il a réussi quelque chose d'énorme,
c'est une source d'inspiration sur mon parcours et aussi à l'être humain. Alors un petit mot peut-être de DJ, c'est un match pour lui. Oui, je crois qu'il va jouer déjà contre un ancien coéquipier qui est Ronny Turgia. Respect. But I smoke them like grass, just like Cheech and Chong. When I float, niggas know it's time to take a hike. Cause I grab the mic and flip my tongue like a dyke. I got rhymes to keep you enchanted. Produce a smoke screen with the funky green to keep your eyes slanted. So check the flavor that I'm bringing. The motherfucking D.R.E. I'll keep their motherfucking hands ringing. Yeah. Keep the hands ringing. Ça fait mal. Ça fait mal parce que quand je rentre, surtout quand je rentre en équipe nationale, je suis là, j'ai discuté avec des gars. Tu vois, des gars qui posent des questions, je réponds. Tu sens, les gars, ils ont envie de savoir. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est limite eux-mêmes. Déjà, en posant des questions, déjà, c'est limite. Ils posent des questions avant même de finir la question, déjà, ils répondent eux-mêmes. Et moi, ça m'énerve, ça. Parce que je me dis, bah, le gars, il est limité de toute façon. Non, il est limité. C'est vrai que c'est déjà toi, tu ne te dis pas que ouais. Tu peux atteindre les étoiles. Non, il est déjà limité. De toute façon. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que c'était pour moi important, même quand on jouait contre la France, de dire au gars, écoute, ce Tony Parker qui joue en face, il est comme toi. C'est juste, il a un autre statut, c'est la NBA. Il est comme toi. C'est le même basket que je joue. Donc tu dois changer ta mentalité. C'est difficile, ça fait mal, comme tu viens de dire. Moi, j'aurais bien aimé avoir deux, trois belges ici. J'aurais bien aimé qu'ils soient là, jouer avec moi, tout ça. Faire un peu du bruit comme les Français le font. Ouais, bien sûr. Regarde-le. Ouais. Comme ils font. Tu vois, au game, il y a toujours des. Mais ils savent vraiment comment valoriser leur sportif de haut niveau. Ouais. C'est dommage. Parce que nous, notre problème en Belgique, ça commence pas seulement chez les joueurs. De la tête jusqu'en bas. Ouais. C'est pas seulement au niveau du joueur. C'est clair, c'est les organisations, ce sont aussi les médias, c'est un petit peu. Ben voilà. Ouais, c'est vrai. Ça marche tout ensemble. Si tu vois l'organisation NBA, tu verras qu'il y a des médias qui ont des pourcentages, il y a ça, ça, ça. Mais c'est comme si en Belgique, c'est comme si les médias sont limités aussi. Ils sont limités, mais c'est dur. C'est dur. Quand tu vois Gasol, chaque semaine, il y a toujours notre télé espagnole qui vient là pour discuter, prendre de nouvelles, savoir un peu comment. Ils savent comment exploiter l'Espagne, même au niveau de la NBA. Ils savent comment exporter ça. Tu verras, Gasol, il a toujours des trucs, des boissons espagnoles, des trucs espagnols. Parce que quoi? Parce que ce média travaille en sorte avec des compagnies, tout ça. Ils font vraiment la pub du pays, de l'Espagne, à travers leurs joueurs. Mais quand tu vois les Allemands avec nos whisky, c'est la même chose. Ouais, bien sûr. Chez nous, en Belgique, on a bien sûr qu'on a des chocolats, on a la bière. Mais attends. Si seulement c'est qu'on a, il faut valoriser ça. J'ai créé ce que personne ne peint. Des fois rien qu'à pépin. J'ai les neurones pleins. 140 euros le plein. Ma défaite est en toi. Ma victoire est en nous.